Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous couper en deux. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Donc, alors ce matin, pour vous, hier matin, il y a eu un problème de vlog parce que je l'ai envoyé comme d'hab. Bah, il devait y avoir le vlog et le tag. Et en gros, mon PC a dû redémarrer dans la nuit. Pourquoi dans la journée? Dans la nuit. Et en fait, voilà. Donc en gros, pas de vlog. Pas de vlog à 6h30 du matin. C'est pas grave. Aujourd'hui, franchement, j'ai un truc de ouf à faire. C'est. Vous voyez ça, les tomates? Il y a des poivrons là-bas. Il y a des oignons qui sont juste ici. Et j'ai des aubergines juste ici. Donc voilà. Donc en gros, c'est ratatouille. Je vais faire de la ratatouille pour la congeler. Franchement, quand je vois le nombre de trucs que j'ai à couper, j'ai pas envie. Mais bon, ma femme va au RAM aujourd'hui, donc voilà. Je suis de corvée avant que ça soit perdu. Donc, on a de la chance d'avoir, parce que vous m'avez dit que j'ai de la chance d'avoir un magasin comme ça qui fait du primeur pas cher pour en grosse quantité. Mais le seul truc, c'est que c'est, on va dire, je pense, c'est de la limite. Hein. Là, il y a une ou deux tomates qui sont en train de moisir. Dans les poivrons, on en a acheté déjà deux. Pas deux sachets, hein, deux poivrons sur tout le sachet. On va dire que ça va quand on pense. Là, il y a 6 kilos de tomates. Si on perd que 2 tomates, voilà, c'est pas un truc de ouf. Surtout que les tomates, elles sont énormes. Hein. On dirait des pommes, quoi. Voilà, enfin bref. Moi ce matin ça va être sûrement ça toute la matinée, je sais pas, je vais faire un petit time lapse comme ça. Mais bon, je sens aujourd'hui que ça va pas être folichon. Si, il faudrait que je fasse une présentation de cartes. En fait, je vous ai dit la dernière fois que j'avais fait carte ATC vintage. Et je suis en train de faire ATC, pas vintage on va dire, de maintenant. Et je n'ai toujours pas fini, hein, pour vous dire que j'ai vachement le temps d'aller dans mon atelier. Et en gros, je pense que je vais faire deux vidéos distinctes. Voilà, enfin bref, je vais mettre la caméra un peu plus loin pour qu'on puisse me voir un peu mieux faire de la découpe. Vous voyez ce point magnifique? Hop là! C'est parti! Ma ratatouille, regardez le truc là, il est quasiment à ras-bord, mais en tout cas ça sent bon, ça donne envie. Mais le pire, vous allez peut-être rire ou peut-être pas, c'est que là j'ai fait de la ratatouille juste pour la congeler, bah pour cet hiver quoi. En gros là, moi à midi j'ai fait des tomates farcies. Parce que vu qu'on avait, bah, je vous ai montré tout à l'heure, vu qu'on a énormément de grosses tomates comme ça dans le truc, donc on a décidé de faire des tomates farcies avec du riz, plutôt tranquille, plutôt régime. Hein. Sinon, il est quasiment 11h, j'ai à part fait de la popote, on va dire, je n'ai rien fait d'autre, ma télécommande. Hop. Donc j'ai ma présentation de mes petites ATC vintage. Ouais, je sais, on me voit trouble. Non, c'est pas derrière, c'est pas Corinne derrière qu'il faut focus, c'est moi. Voilà. Et donc, j'ai ma présentation des petites cartes ATC. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais en faire en deux parties. Donc là, je vais faire ma présentation. Oh là là, mais le gars qui se rabâche, hein. Vous avez vu, le... J'ai pas de prompteur, moi. Je vais même le redire. Je vais faire ma petite présentation de mes cartes ATC vintage, donc sur le thème de l'école. Donc n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, là je reçois des messages privés pour avoir mon adresse. Hein, n'hésitez pas à me la demander. Hein, voilà. En plus, à la fin, comme je le dis assez souvent, hein, y a un petit lot à envoyer. Voilà. Bon, surtout, celui-ci était gros. Hein, donc celui-là du mois de septembre, donc fin août, début septembre. Il était pas mal, hein, parce que sérieusement, quand je vois, même ma femme m'a dit, mais t'envoies tout ça? Je dis, bah ouais. Elle m'a dit, tu veux ma ruine? Non, elle a pas dit ça, mais elle a dit, tu veux te ruiner, elle m'a dit exactement. Enfin bref. Donc,
Présentation, je me lance après sur le reste de mes petites ATC que j'ai commencé la dernière fois. Donc après montage, je pense mangeage, il faudrait que j'aille à la poste vite fait avant de commencer tout ça. Je sais pas quelle heure il est, mais au pire je vais monter ça et après je vais aller à la poste, comme ça au moins ça a le temps de compresser, d'avoir le rendu avant que je revienne. Non, ou pas, vu le nombre de temps que ça met. Enfin bref! Bon, mon montage est fait. Je me suis lancé, donc là il est en train de compresser, je me suis lancé sur ma deuxième série ATC scolaire, donc je viens de les finir. Il faudrait que je fasse un petit coup de ciseau là, parce qu'il y a du mode d'impasse qui décolle, qui dépasse, pas qui décolle. Quoi? Vous me regardez travailler comme d'habitude. Voilà. Donc trois petites ATC qui vont rejoindre. Donc, alors j'ai galéré à mettre le tampon derrière parce que vu qu'il y a le badge, il y a un badge ici, j'ai galéré. Donc si vous recevez cette carte par exemple, ne vous étonnez pas que l'adresse elle est un peu bizarre. Donc hop, 1, 2, 3 qui rejoignent les autres. Et j'ai retrouvé des vieilles ATC que j'avais faites, regardez. Bah, des vieilles. Alors celles-ci, je les avais faites il y a longtemps. Je crois que c'est mes premières ATC. Ce serait bien que tu focuses. Voilà. Mes toutes premières ATC. My God. Mes deuxièmes ATC, c'était ça. Ça, c'était mes deuxièmes. Et encore, je crois qu'il manque quelque chose. Et après j'avais fait une grande série, je les trouve plus, franchement à vrai dire, j'en ai perdu, je ne sais pas où elles sont, parce que j'ai jamais osé les offrir. J'avais fait une série Batman il y a un petit moment, ça date, hein. Une petite série Batman, j'avais fait une série Superman. Celle-ci est belle, hein, en mode vintage. Et en fait, j'avais tout fait comme ça. Et Spider-Man. Peut-être que j'en ai donné. Oh, si, j'ai dû en donner quelques-unes. En fait, j'avais fait. Donc, j'avais fait Superman, Batman et Spider-Man. Donc, j'avais fait en vintage, en aquarelle, je crois. Et en découpe. Parce que là, il y a découpe intérieure. Et là, c'est découpe extérieure. Donc, je crois que j'avais fait un peu un mix. Comme ça, je sais pas où elles sont, enfin bref. En tout cas, j'ai fini mes ATC. C'est déjà une bonne chose. Donc je vous laisserai regarder la vidéo créa. J'explique mon appel ATC, tout ça avec les lots et tout, patati patata. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais bon. Il est quelle heure? J'ai mal au dos. On m'a posé la question, pareil, est-ce que je travaillais toujours debout? Alors oui, je travaille toujours debout. Quand je suis dans mon atelier, je suis toujours debout. Il n'y a que le travail informatique que je fais assis. Même quand je dois faire du bricolage ou un truc comme ça, je suis toujours debout. Je dois faire un truc dehors. Je suis toujours debout. C'est pour ça que, en fait, souvent, je m'étonne de ne pas maigrir. Sachant que, on va dire, depuis 6 heures, admettons par exemple, depuis 6 heures ce matin, je suis resté debout. Quasiment toute la journée, j'ai dû m'asseoir juste pour manger. Même pas pour petit déjeuner, parce que je déjeune. Ah si, ce matin, j'ai déjeuné assis. Mais sinon, je petit déjeune debout. Voilà. Et je me suis installé tout à l'heure pour faire mon montage vidéo des ATC que vous verrez. On est quel jour? Jeudi. Bah maintenant, vous les verrez lundi. Ou vendredi soir. Ouais, lundi. Allez. Dimanche soir. C'est dimanche soir. Faut que je me rappelle qu'avant je faisais dimanche soir, mardi soir et lundi soir. Non, dimanche soir, mardi soir et jeudi soir. Avant c'était ça, mes vidéos créa. Ouais, je peine. Mais j'ai pas de photos. Vous savez qu'hier j'ai voulu aller. Bah, en fait,
je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment un boulet parce qu'en gros, j'ai fait mes séances photo pour rien parce que finalement, je les ai toujours pas sorties. Nous sommes le 7 septembre. Et hier, en fait, on est parti chez Carrefour et impossible de me connecter à la borne pour sortir des photos. Donc finalement, je n'ai toujours pas de photos. J'ai encore des photos d'été. Voilà. J'ai même plus de photos d'été. Je crois que j'ai fini la dernière là avec celle que je viens de faire, la dernière vidéo. Voilà. Donc il va falloir que j'en commande des photos. C'est pour ça que je fais pas mal d'ATC. Ça compense. Allez, j'arrête de parler. Maintenant, j'ai encore un nouveau montage à faire, franchement. Mais voilà. Mais au moins, vous êtes contents parce que vous avez des vidéos. Et si vous êtes content, moi je suis content. Voilà, je vais arrêter. Je vais vous raconter un truc où ma fille vous la racontera ce soir. Et en fait, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo cet après-midi en fait où hier elle disait qu'elle avait vu Lou de The Voice Kids à son collège parce qu'elle est à son collège. Et en fait, elle est tombée nez à nez et elle l'a vu. Et hier, elle me dit ouais, demain je vais ramener un papier pour qu'elle me signe un autographe. J'ai dit ouais, attends, c'est que le début de l'année. Attends 2-3 jours quoi. Attends la semaine prochaine. Et non, tout à l'heure, elle m'envoie une photo avec un selfie avec Lou de The Voice Kids. Donc elle doit être dans un état mais pas possible. Donc au pire ce soir, on verra avec elle. Quand elle rentrera du bus, parce que finalement aujourd'hui, pareil, c'est une première pour elle, parce qu'elle est partie en bus ce matin et elle rentre en bus. C'est vrai qu'on m'a dit, pareil, on m'a dit, ouais, on parle. Regardez, on va même faire ça. Hop, ça fait longtemps. Ah, le petit fauteuil. Voilà, on va faire ça, comme ça, voilà. Ah, il y a ma femme, ma femme! Ou pas. Il y a deux choses. Vous m'avez dit, arrête d'embêter ta femme. Alors je l'embête parce que je l'aime. Et c'est un truc entre nous parce que en fait moi je l'embête devant la caméra mais elle c'est hors caméra. C'est un truc entre nous. C'est vrai que vous avez vraiment la partie où moi je l'embête où vous voyez que moi je l'embête mais il y a aussi l'inverse. Et on parlait de quoi juste avant? Je ne sais plus. ouais, elle m'avait dit que c'est la fille qui est stressée ou c'est pas ou c'est les parents. C'est vrai que les parents sont, je crois que je suis aussi stressé qu'elle, si c'est pas plus. Le matin je l'emmène au bus. Bah ouais, mais en même temps elle a juste 11 ans, 12 ans, je m'en rappelle plus. Non, je crois que c'est 12. père indigne. Et en fait on l'a jamais laissé sortir de la maison hors avec nous. Et là, en fait, d'un seul coup, on est obligé de lui laisser des responsabilités qu'on n'y a jamais données. Donc, c'est-à-dire prendre le bus toute seule, revenir avec le bus. Là, le midi, elle ne mange pas là, donc elle mange à la cantine. Donc, c'est vrai que c'est délicat d'être obligé. Hein, je ne suis pas seul. Hein, il y a des personnes qui me suivent, qui ont des enfants qui sont rentrés en 6e aussi cette année. Mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre d'être obligé de les lâcher comme ça. C'est comme les parents qui arrivent en maternelle, par exemple, les premières années de maternelle. Je veux dire, elles ont toujours été avec nous. Et en fait, on est obligé de les donner. Mais là, c'est encore les laisser à la maîtresse. Que là, on est obligé de. En gros, même pas on les emmène. Genre, je veux dire, c'est vraiment bizarre. Allez. Ouais, blablabla, vas-y. Non, je rigole. Voilà, bon, allez, je vais continuer à travailler parce que finalement, voilà, du montage. Je vais. Et quelle heure? Je vais aller boire un coup. Et je vais aller chercher mes enfants parce qu'en fait, regardez, 16h14, mes enfants sortent à 16h15. Alors peut-être que j'y aille. Alors. Bon, j'étais large, ils sont sortis à 20. J'étais tranquille. J'étais en train d'attendre et tout, ils sont sortis tranquille. Ah, vous êtes sortis tard? Oui. C'est bizarre parce qu'en fait, maintenant, devant l'école, les gens me regardent bizarrement. Alors je pense qu'il y en a beaucoup plus que je pense qu'ils me regardent sur YouTube. Hein? Ouais? Toi aussi tu me fais ma pub? Non? Toi t'es nul toi. Non? T'es pas nul? Non, moi je fais du breakdance. Yeah. Je fais du hip hop. Yeah. Hein, tu fais. Bah quoi?
D'abord, il faut qu'on trouve un truc. Faut qu'on trouve un truc. Un cours de hip-hop? Non. Hashtag parents indignes. Ma fille qui vient de rentrer de l'école avec l'autographe de Lou. T'es contente? Oui. Ouais. Alors donc ça s'est passé comment alors? Pas bien. Elle est gentille? Oui. Ouais. T'es partie la voir, tu lui as dit quoi? Je veux un selfie? Je veux un autographe? Non, faut que d'abord qu'Emma me dise oui, que je la prenne par le bras. Tu m'emmènes? Ah bon? J'y vais pas toute seule. En même temps, elle est comme toi. Hein. Juste qu'elle passe à la télé. Hein. Il y a beaucoup qui disent que passer sur YouTube, c'est pareil. Hein. Donc voilà, donc t'es passé sur YouTube, regarde, tu passes sur YouTube, elle est comme toi. Hein. Non. Allez, t'as ton autographe. T'as des doigts? Oui. Allez, va. T'es dégoûté. T'allais dire quoi? T'allais dire quelque chose? Non. Non. Bon, moi, je suis en train de monter ce vlog-là, que vous êtes en train de regarder. J'ai fini... Non, j'ai même pas fait, en fait, le montage, parce que finalement, je devais courir, aller chercher les enfants. Et voilà, enfin bref. Moi, là, je me lance sur le montage. Je pense pas qu'on fasse quelque chose de plus. Je fais rouge. C'est chaud, il fait chaud. On marche. Je marche seul. Tu vas pas marcher à 15 000. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Je tiens à dire devant tout le monde. À la France entière. À la France. À mes abonnés, quoi, déjà. Oui, la France entière, ça fera un peu beaucoup d'abonnés. Que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Arrête de me tripoter comme ça. Pourquoi? Parce que tu me stresses. Avoue que toi aussi, tu me taquines. Ah, bah oui. Mais ça serait pas marrant, sinon. Mais il n'y a pas de caméra pour le filmer. Ah, bah c'est bête. Hein. J'ai fait tout en feuge. Bon, et la question existentielle, on mange quoi ce soir? Bah moi je sais ce que je mange, c'est vous en fait. Moi je mange mon ratatouille avec ma tranche de blanc de poulet. Régime. Moi aussi régime. J'ai perdu 1,5 kg. Ouais. En même pas une semaine. Bah c'est les plus faciles, c'est après de tenir sur la longueur, c'est ça qui est plus dur. Eh ouais, hein, vive le goûter. Allez, je vais arrêter là. Ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Il n'était pas folichon, je sais même plus ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah, j'ai fait de la popote toute la matinée. Et j'ai travaillé toute la matinée, toute la reste de journée. Donc en gros, il n'y a pas eu grand chose. Est-ce que... Ouais, il y a trop de vent. Il y a le vent de 40 km/h. J'allais dire, est-ce que je ne ferais pas voler mon drone? Mais non, 40 km/h, c'est mort. On bouge quelque part? Tu veux bouger où? Je sais pas, action. À cette heure-là? Ouais, non, c'est mort. Bah non, c'est trop tard. Hein. Demain? Demain, je finis à 5h30. Mais bon, après, on mange chez ton frère, donc oui, on peut. Demain matin? Mais demain matin, je travaille. J'ai Raphaël à 9h. C'est bête. Moi, je vais y aller tout seul. Bah, vas-y, tout seul. Enfin bref, allez, j'arrête là. Ah si, tout à l'heure, j'ai papoté pendant longtemps. Je disais qu'on était plus stressés, que nous, les parents, on était plus stressés que les enfants, en fait. Ah, mais je crois que c'est... Bah, normalement, tous les parents... Ouais, ouais, non, mais c'est ça, je disais ça. Tous les parents qui aiment leurs enfants, je pense que... Qu'en fait, que nous, on ne l'avait jamais laissé, qu'en gros, de but en blanc, on la laisse partir prendre le... J'en parlais avec mes collègues, elles étaient pareilles que moi, et maintenant, c'est bon, c'est passé, quoi. Après, le pire, ce sera quand ils seront au lycée, à l'internat et tout ça. Je dis, oh, on va laisser passer le collège, hein. On verra. Elle ira pas au lycée. Non. On va faire une vieille fille. Ou pas. Elle est trop belle. Ah bah, après, arrive un moment, on va faire l'école à la maison. Et c'est elle qui va faire l'école aux enfants. Bon allez, j'arrête là, j'espère, voilà, comme d'habitude, on se dit demain. Demain, ouais, bon, il n'y a rien de prévu. Ça sera peut-être un vendredi créa. Voilà. Donc allez, je vous dis à demain si tout va bien. Tchou!